Pour la réalisation des décors des aquariums, dans le cadre du projet Métamorphose, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est vraiment définir le volume de l'aquarium, sa taille, sa forme. Et ensuite, nous allons travailler en interne avec les équipes de Oceanopolis, avec Jean-Marie, pour réaliser une première maquette. Dominique m'a notamment confié la mission de modéliser les futurs décors de certains aquariums qui vont être soit remaniés, soit créés. Alors, dans la conception de ces décors, les grandes lignes directrices étaient le bien-être de nos pensionnaires. C'était très important de créer des décors qui soient adaptés en fonction des espèces que l'on va présenter. Il faut que la maquette soit suffisamment réaliste pour qu'ensuite, les personnes qui vont réaliser le décor à échelle 1 aient vraiment une idée fidèle de ce que l'on veut. Ensuite, on prend ces maquettes et on va les montrer aux entreprises qui ont été désignées pour construire des aquariums. Eux-mêmes vont avoir plusieurs étapes. Il y a une première étape avec un squelette de décor et ensuite qui va être recouvert d'une structure pour finalement arriver à un rendu qui doit être le plus réaliste possible et conforme aussi avec ce qu'on attend pour les animaux quand on va peupler les aquariums, bien entendu.